Malade depuis 1999, la santé de l'évêque auxiliaire d'Antananarivo n'avait jamais cessé de décliner pour se détériorer irréversiblement ces deux dernières années. Finalement, la maladie a eu raison de lui et l'évêque s'est éteint hier à l'âge de 61 ans. Ordonné prêtre en 1979, il fut le troisième évêque auxiliaire d'Antananarivo pendant ces 12 dernières années. Pendant 16 ans d'affilée, il était éducateur auprès du séminaire d'Ambuipú. Depuis que sa maladie s'est aggravée, un évêque suppléant, Mgr Jean de Dieu Rawilson, fut nommé à ses côtés en 2010. Mgr Jean-Paul Rangiamanan, qui était aussi une personnalité connue du milieu politique, à la veille de l'éclatement de la crise de 2009. En effet, il était présent au domicile d'Arin-en-Marsan le 19 décembre 2008 pour assister à la création d'une mouvance d'opposition dite de force de changement pour la démocratie. Depuis hier, trois messes sont célébrées chaque jour à 6h du matin, à 11h et à 20h à l'écart Saint-François-Xavier en Tanmen où est exposée sa dépouille mortelle. La messe de requiem pour le repos de l'âme de l'évêque défunt se déroulera ce samedi à 9h du matin avant son inhumation à Andualo.